bâtard. Ouais, ouais. C'est quoi, n'oublie pas qu'il y a un gage. C'était quoi ça? Vise un peu. Salut les gars, petit message avant que la vidéo commence. Pensez à aimer la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour pas manquer les prochaines sorties. Bon, allez, les clous alors. On les clous, alors. Le prochain jeu. Bah viens, on y va directement. Les clous. Ah oui, attends, je monsieur, l'épreuve des clous. Hitler, pourquoi Hitler ne buvait pas d'alcool? Ouais, mais si les gens t'entendent, il est con, lui, il est vraiment con. Il l'a dit doucement, comme putain. Putain, quel cochon. Ah, je des clous. Ah oui. Franck, je mets ici. Oui, monsieur. Mathias. Le chat est en feu, putain. Ah ouais, il est en feu. Mais oui. Mais oui, mais parce que vous les faites rire. Et en un coup, hein, bam, Manu. Ce qui va se passer, c'est qui va nous donner les questions? C'est toi qui va nous donner les questions? Manu, je suis sûr qu'il nous regarde en plus. Ouais, je suis sûr. Je suis sûr. Nous, de dos. Je pense qu'il en regarde. De dos. Le but du jeu, les gars, je vous explique. Oui. C'est d'enfoncer le clou le plus profondément possible. Ah bah ça, bah, je suis un spécialiste. Je vais te l'enfoncer, mais jusqu'au trou de balle. Ah, en fait, on va me donner des questions. Moi, je vais répéter les questions. Et si vous avez la bonne réponse, vous avez le droit de taper, d'accord? Okay, non, d'accord. T'as compris, oui. Si t'as pas la bonne réponse, tu passes. Et le premier qui a enfoncé son clou a gagné. Bah dis donc. Et attention, c'est partouze, faut l'enfoncer. Faut Allez, go. Faut l'enfoncer, mais voilà. pour de vrai, genre. Allez, go. Est-ce que vous êtes prêts? Ça oui, va monsieur. Faire Charles, Ragnar, Cyril et puis Franck. Charles, la première question. Ouais. Il y a plus ou moins de 500 calories dans un pain au chocolat? Oh. Moins. Non. C'est une bonne réponse. Bâtard. Ouais. Mais c'est quoi? N'oublie pas qu'il y a un gage. C'était quoi? Vise un peu. Oh là là. Mais il a tapé à côté. Il a tapé largement à côté. Il a tapé, t'es un malade. Mon Dieu. Je me suis dit, il a pas bougé les clous, là, le goal but. Allons-y. Mathias. Oui. Une paire de Jordan s'est vendue aux enchères pour plus ou moins de 1,5 million de dollars. Plus. Bonne réponse. Yo, maman. Ah ouais? Bah oui, bon, écoute. 2,2 millions. On peut savoir hein? Combien? 2,2 millions. Oh non. Ah, mais vous êtes nuls, mais c'est quoi? Putain, ce problème? C'est pas un vrai problème. C'était des Jordan qui appartenaient à Jordan? J'ai pas l'info. Pardon, je me suis moqué de toi, j'aurais pas dit. Mais c'était pour toi, je t'ai dit. On va pas au bout des... Tu bricoles pas, on va pas au bout des choses. C'est à moi, là? Oui. J'ai pas planté de clous depuis bien. Le recordman de médailles olympiques, Michael Phelps, compte plus ou moins de 40 médailles. Je le sais, ça. C'est beaucoup, 40. Hein. 40, c'est énorme. Ah, c'est beaucoup, 40. Mais c'est pour ça, j'ai envie de dire moins. Mais je crois que c'est celui qui en a le plus. Oui, mais je ne sais pas combien. Ta réponse? Je dirais moins. Bonne réponse, 28. Ah, allez, fin du jeu. Allez. Tu aurais longtemps. Allez, Alors là, Franck... Tu sais que tout à l'heure, je l'ai fait, je me suis amusé à le faire, j'ai jamais tapé à côté. Vous avez le droit de viser, quand même. Hein. Ouais. Oh, ça va, oui. Ouais, Franck. Là, attends, je vais voir ta bûche, t'en vas voir, ça va se passer. Allez, tiens, Franck, oui, oui, il y a plus ou moins de 7,4 milliards d'habitants sur Terre. Plus ou moins 7,4 milliards. Attends, j'ai pas entendu la question. Est-ce qu'il y a plus ou moins de 7,4 milliards d'habitants sur Terre? Moi, je pense qu'on a dépassé les 7,4 milliards. Ouais. Bah, attendez, on va pas lui donner les réponses. Hein. Ta c'est réponse fou, écoute, je vais écouter mes collègues, il y en a plus? C'est vrai, 8 milliards d'habitants. Ouais. On va tous crever. Attention. Oh là, oh là, ouais. Oh ouais, c'était encore pire, lui. On est des peintres, hein, venez, putain. Sur les bonnes réponses, on tape deux fois, les gars. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'avoue, là, on va taper deux fois à partir de ce tour. C'est incroyable. Il y a des gars qui bossent dans le bâtiment dans le chat. J'ai enfoncé mon clou, j'ai pas tapé une seule fois à côté. C'est la pression du jeu. La pression médiatique, c'est l'éclairage. Charles, tu fais, toi? Charles. Non, mais je te dis. Les JO Paris 2024 vont accueillir plus ou moins de 303 épreuves. Beaucoup, plus. Hein, c'est beaucoup, 303. Hein. Plus. Plus. Ouais. C'est une bonne réponse. 303. 303, mais c'est quoi ça? Est-ce que j'y vais technique et tu sais, tu mets un petit coup de... Ouais. Non, allez. Moi, je dépose là d'abord. Oh la vache. Putain, on est nuls. Oh, mon t'as Dieu. T'as droit à un deuxième mon coup. Dieu. Bon, allez, je vais te redresser un peu la barre. Hop là. On a... Allez, pose-la ta question. Va. Allez, pose-la ta question. Un castor pèse en moyenne plus ou moins de 14 kilos? Ah. C'est vraiment des questions de merde. Un castor, tout le monde s'en branle en plus. Non, c'est super mignon. On adore. Tu connais la différence entre... Tu sais pourquoi les castors, ils ont la queue plate? Non. Parce qu'ils se font sucer par les canards. Oh, c'est nul. Pourquoi? Quoi? On se sucer par les canards.
Oh, par là, les c'est canards. Nul. Les mais canards. C'est pas les canards, ils ont un bec plat, du coup ils se font sucer la queue par les canards. Bon, c'est n'importe quoi. Allez, c'est très bon. Bien. C'est plus ou moins de canards. Bon, moi je dirais plus. Bonne réponse. Voilà. Bon, bah, tu vois, attends, c'est pas vise, s'il te plaît, grosse merde. Ratchoum. Voilà. Je vous ai dit, en fait, c'est plus technique. Il y a deux coups. C'est plus technique de faire des petits coups. Ouais, voilà. Faut pas faire des grands segments, comme on dit. Mbappé a-t-il réalisé plus ou moins de passes décisives que Michel Platini en équipe de France? Plus. C'est une bonne réponse. 22 contre 20 pour Platini. Oh là, je suis une grosse merde. Mais du coup, ça commence à m'énerver. Du coup, juste, moi, j'ai fait qu'un coup tout à l'heure. Charles, tu as le droit de faire un coup. Ouais, ben. Oh là, putain, mais je suis un peintre, là, c'est impossible. Je vais m'acheter des lunettes. Oh mon Dieu. Oui. PES6, c'est plus ou moins vendu que FIFA 07? Je connais pas les jeux vidéo. PES6, plus. Moins, PES6. Plus. Le 6. Ah bah. Ouais, le plus 6. Ah, c'est le. C'est moins. Merci les gars. Vas-y, il avait pas répondu. Attends, répète ta question. PES6, c'est plus ou moins vendu que FIFA 07? Il s'est moins vendu, FIFA c'est plus vendu. Ah ouais. Alors, j'aurais pas dit pour le PES6, moi. Ah, FIFA 07, c'est plus vendu. Ouais, pour moi, PES6, c'était quel, le plus. À quel moment ça a changé, mais. Vas-y, on voit. Charles, oui. Nino a plus ou moins vendu d'albums que NTM? Plus. Ah non, je pense pas. Ah non, moins. Physique, on vend plus, ils vendent plus de disques aujourd'hui, plus personne en stream. Piège, non, fini les disques. C'est un piège. Donc, Nino a vendu plus ou moins? Moins. Il a vendu plus. Tu vois, oh, en album physique. Ah non, Nino, c'est une vraie star, les gars. En album physique, ça veut dire que NTM, il va falloir revoir, les gars. Eh, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais m'asseoir dessus, non? Alors. Oh, arrête, allez. Mathias, oui. Franck Gastambide a réalisé plus ou moins de 5 films? Oh. Ah, alors. Oh là là. Ah, il connaît ma filmo par cœur, ça va être facile. Alors, Kaira 1, Kaira 2. Non. Kaira 3. Non, mais lui donne pas les réponses. Pattaya. Après, il y a eu Medellin. Ensuite, il y a eu Validé 1, Validé 2. C'est deux films. Non, mais tu lui donnes les réponses. Quel compétiteur, celui-là? Je pense qu'il a fait moins de 5. C'est une bonne réponse. Ouais. Bah oui, mais non, mais il aurait compté Validé, il se serait planté. 4. Ouais, après, je comptais Validé, je me suis dit... Que des succès. Que des succès, c'est vrai. Ah non. Oh, j'en ai marre tout ça, je vais te le mettre ton clou, moi. Regardez-moi. Allez. Oh, voilà. Oh, oh, putain, il était bien, Méchant, celui-là, méchant. Méchant. Eh, ah. Bendo. Bendo. Cyril, quel regard. La Switch, c'est plus ou moins vendu que la PS4? La Switch, c'est plus ou moins vendu. Ah, putain, easy. C'est pas facile. Easy. Quoi? Easy. Switch. Pense aux enfants, Cyril. Pense aux enfants. C'est la Switch, c'est les enfants. Ok, je veux dire plus. PS4, frère, hein, la PlayStation 4, frère. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait? Il t'as fait du plus. Oui. C'est vrai. 129 millions pour la Switch. C'est moins 120 cher pour la PS4. Et c'est portatif, hein, y a tout. Ah, il a trouvé le coup. Putain. Oh, waouh. Wow. T'as pas commencé à nous casser les couilles, toi. On égalise. Putain, mais moi, j'aimerais bien jouer une fois, moi. Franck, oui, La Roche-sur-Yon compte plus ou moins d'habitants qu'Évreux? Ah, bah, c'est moi. Ah, bah, je vais pas t'aider. Ah, quoique, je sais pas. Combien? Oh, non. Plus ou moins qu'Évreux? Les gars, elle est dure celle-là. Parce que là, on se rend plus grand qu'on ne le pense. Hein. Ouais, c'est ça plus grand. Les communes autour et tout. Et puis Évreux, c'est aussi grand. C'est grand. Ça va être du pif. Hein. Ça va être du pif. Je dirais que La Roche-sur-Yon est plus grand. C'est vrai. 53 000 contre 49 000. J'aurais combien dit... Combien? 53 pour La Roche et 49 pour Évreux. Ah, ah, j'aurais pas dit autant à La Roche. Non, il y a plus à Évreux, je crois. Oh, ta gueule. Hein? Si tu deviens dingue, non? Oh la vache. Oh putain, putain, doucement, on a tous des métiers où on a besoin de nos mains ici. Là. Oh, c'est frustrant. Hein. Je suis un mec passe qui a sur des questions de rapidité. Hein, on passe sur des questions de rapidité. Faut me donner la réponse très rapidement. On passe Charles, sur des... question de rapidité. Parce que là, c'est vrai que c'est. Vas-y. Combien de titres NBA a remporté Tony Parker avec les Spurs? Hall of Fame. 6. Non. Ah, combien? C'est 4. T'as le droit quand même hein. De taper une fois. Et pour les bonnes réponses, ça sera 2 fois. Ok. Allez. Attends, il a le droit de taper une fois. Ah, j'ai le droit de taper une fois. Vas-y, sois un homme. Ta gueule. Je vais faire une kimura. Mathias, comment s'appelle le premier album de Gazo sorti en 2021? Allez, dégage. Jusqu'à ce que je die. Le nom de l'album. Eh ben, c'est die. Non, c'est Drill FR. Ah, c'est quoi? Drill FR. La Drill FR, oh la vache, putain, les ringards. Bon alors. Mais t'as perdu. Un coup. Non, mais t'as tapé un coup, faut que ça aille plus vite, on est trop nuls. T'es mort vos clous, putain. Ouais, c'est la honte. C'est la honte, vous avez des réponses, t'as pas à côté. Qui a peint la Joconde? Allez, là. C'est
Il trouve pas, il mérite vraiment pas de taper dans le clou. Roméo Elvis. Léonard de Vinci. Ah putain, il m'a fait merci peur. Cyril. Il a fait exprès. Oh, là, là, là. Une deuxième, Cyril. Ah bon, pourquoi ? Arrête, c'est bon, ça y est, il a tapé. Arrête. Après, je mets sur ton clou à toi. La question. Je te mets sur ton clou le deuxième coup. Charlie. Après, je te ferai la blague du ok. Ok. Machallah. Attention, Franck. Franck, quel film sorti en 2023 met en scène une célèbre poupée ? Attends, quoi ? Un film d'horreur ? Quel film sorti en 2023 met en scène une célèbre poupée ? 2023 ? Chucky. Bah non, 2023. Chucky. Arrêtez de donner la réponse. Une poupée en 2023 ? Complètement. Mais ouais, mais moi je me. Là, c'est. Ah, moi... Barbie. Oh, bonne putain, réponse. Ah oui, j'avoue. Ah, j'avoue, j'aurais pas. Pourquoi ce coup de merde ? Arrête ! Oh là là. Ouais, bon, ça n'a aucun sens, hein, c'est ce qui se passe ici, là, tu vois. Charles, comment se nomme le sélectionneur de l'équipe de France de football espoir ? Oh putain. Tyrann. Mais... Il vient d'être sélectionné. Il l'avait, ça va. Arrêtez! Putain, les gars! Je vous raconte, même Charles Villa, qui est normalement un mec sérieux, fait n'importe quoi. En quelle année est né Cyril? 1990. C'est juste. Ouais, tu vois, je commence à. Suce-le. Bon, t'es né quel mois? Quel mois? Suce-le. Quel mois? Ouf. Oh, deux fois. Bien, bien, bien. Toi à côté, quand. Cyril, quel acteur a joué le rôle de Mohamed Ali au cinéma? Jamie Foxx! Non. Will Smith. Oh là là. Oh là là. T'as droit à un coup. T'as droit à un coup. C'est pas ça. C'est que. Ah non, c'est Jamie Foxx qui fait Tyson, qui va faire Tyson. Ouais, c'est ça. Oui. Allez, mets un coup. Oh putain, c'est. Ouais, mets un coup. Après, Jamie Foxx qui fait Tyson, je crois pas trop. Non, c'est pas. C'est pas le même gabarit. Oh, ça dépend. Oh, bon. Non, il a fait Red Charles par contre. Et oui, mais c'est pas le même gabarit. Et c'est Will Smith qui a fait Mohamed. Putain, je suis con. T'as aussi. Oh non. Bah ouais, bah je suis vénère. Parce que je connaissais la réponse. Oui. Dans quelle écurie de Formule 1 est Lewis Hamilton ? Oh. Easy. Bon, c'est facile. Hein. Mercedes. Voilà, McLaren. Bonne réponse. Vous adaptez au niveau intellectuel de Franck pour les questions ou c'est fait exprès ? Non, mais on y est pour jusqu'à demain. Hein, ah. Oh là là. Putain, moi c'est vraiment la honte. Charles, qui l'équipe de France a-t-elle affronté en demi-finale de la Coupe du Monde 2022 ? Charles. Demi-finale de la Coupe du Monde 2022. Ah mais c'est du foot les gars, moi je regarde que de l'UMMA. Bon Charles, ça suffit maintenant. Je te jure, j'ai un truc de moi. Elle est pas facile. Elle est bah, pas c'est, facile. C'était l'Argentine et avant l'Argentine. La Croatie ? Croatie ? Faux. Maroc. Ah bah oui, c'est Maroc. Maroc en bah, demi oui, bien bah, sûr. Oui. Ah, bah oui. Si. Bah, tu mais t'en rappelles pas, les Champs-Élysées, les drapeaux, moi je me rappelle. Hein. Ah bon, oui. Ah non, c'est you. Mathias, oui. Combien font 11 x 11 ? 11 x 11, 3. J'avoue, ça fait un bug. 122. Combien ? 122. C'est ça. Non. Comment ça, non, connard ? 122. 121. Hein ? Eh oui, 110. 11 x 10. 110. Ouais, Charles, ah oui, plus 121. 121 plus parce qu'il a dit 122, t'as dit voilà, c'est ça. Ah, et après, il a dit 121. Ouais, en vrai, je l'avais à 121, mais Charles m'a mis le doute. Ouais. Bon. Allez. Allez, celle-là, c'est, allez, quoi, c'est pour la gang, celle-là c'est un peu tôt pour le coup. Celle-là, c'est plus d'élan. C'est zéro confiance. C'est loupé. Attention. Ah, ça va louper. C'est loupé. Yababa. Bien. Putain, merde, c'est de la merde, je suis à la con. Il a fait un trou dans le. C'est vraiment de la merde. Cyril. T'as tapé fort, dommage. Dans quel club vient de signer Léo Messi ? Chez Miami, je ne sais plus comment ça s'appelle le club. Le Real de Madrid. Ta réponse, c'est pas quoi, ouais, bah, Miami. Il y a un vrai problème de. Miami. Je te la compte, Inter Miami. Inter. Bonne réponse. Ouais, vas-y. Un seul coup. Alba. Oh là là. Non, c'est pas dedans. C'est pas enfoncé. Non, mais il a deux coups. Il a deux coups. Il a deux coups. Regarde. Oh là. Culé. Fin du jeu. Putain, maintenant par contre, ça m'agace un peu moi. Non, c'est le. Non. Ouais. C'est pas fini. Pour égaliser. Parce qu'elle a tapé, on continue, ça tourne encore. Ouais. C'est le perdant qui paye son resto en sortant là. Le Real de Madrid, moi je suis pas mal, non ? Je tape pour toi. Qui a marqué le troisième but lors de la finale France-Brésil en 98 ? Emmanuel Petit. Bravo. Bonne réponse. On me salle, attendez les questions pour Franck. Il avait déjà 42 ans. Je l'avais, évidemment, je l'avais. Tout le monde l'avait, ceci. C'est difficile de ne pas l'avoir. Allez, prends l'élan. Va, une seule main. Allez, vas-y. Ouais, il a trouvé le coup là. Voilà. Enfin, c'est un coup. Hein. Pardon. Il est insécure quand même, hein, par rapport au fait que de ne pas gagner. Tu vois. Ouais. Non, mais je vais voir là. C'est très agressif avec Charles. Ce soir. Ouais. Cite-moi une rappeuse francophone. Ah oui Kenny Arcana.
Tu vois, toujours dans les trucs pointus. Et en plus, je cite la meilleure, donc on est bien. Oh là là. Et James, on en parle. Allons-y. Mathias, oui, c'est bien, cite-moi c'est bien. Un pays visité par Charles Villa. Bah, l'Ukraine. Bonne réponse. Bah, non, je réponds un con, non? Moi, me posais... on en, on en parle juste régime. Avant, tu me prends pour une bite, quoi. J'ai pas fait un reportage au Congo, ils auraient tellement voulu que tu... Ah, ils me prennent vraiment pour une queue, hein. Allons-y. Allez, c'est à côté, ça c'est à côté, ça c'est à côté. Putain bien. Ça c'est bien. T'es nul, bordel, je t'apprends toi. Franck, cite-moi un rappeur UK. Tu veux taper... Putain ouais. Tu sais, c'est les questions, t'as la réponse, mais c'est le... Attends, t'oublies quoi. Attends, putain, un rappeur anglais. Comment? Attends, j'arrive. Un rappeur anglais, merde. Mr Bean. C'est tellement nul que c'est drôle. Ouais, c'est pas mal, non? Désolé. Il y avait Central C. T'as droit. Oui, bah ça, il y en a plein, oui. Voilà. Allez. Voilà, bien, merci. Oh là là, le coup de main. Non, mais... Vas-y. Ouais, je l'aide, non, je l'aide. Écoute, tu l'aides. Charles, je t'aide aussi. Oui, toi, t'as eu bon, la place. Charles. T'as enculé ton petit temps. T'as eu la place, t'es venu dans la cage à la fin avec ta famille. Déjà, c'est un peu gênant ce que t'as fait. C'est un peu opportuniste. Hein. Tu dis quoi? Tu deviens dingue, là. Okay. Charles, cite-moi un réseau social qui n'existait pas en 2015. TikTok. Bonne réponse. Putain, elle a fait des étapes. Je suis nul à chier, c'est insupportable. Ah non, attends, c'est à moi, là, non? Ouais, attends. Je sais pas, tu veux tout bouffer pour toi, en fait, ouais, c'est ça? Oui, bah voilà. Ah, mais tu l'as complètement tordu, ton clou. Mais putain, mais... Ouais. Ça va être dur, hein. Ouais, bah, Mathias, oui. Cite-moi une star du foot ayant signé en Arabie Saoudite cet été. Oh là là, mais attends, frérot. Karim Benzema. Waouh, c'est dur, hein, tes questions. Hein. Ouais, tu peux pas en changer une autre parce que j'ai vous le prenez pour vraiment un couillon, lui. Ouais. Hein. Il a l'air d'un couillon, mais il est pas si con. Allez, fais une autre question. Ah, c'est... Tu veux une autre question? Bah ouais, vous le prenez pour un. Cite-moi un streamer Twitch. Henri Tran. Bonne réponse. Bah, oui, c'est plus un vidéaste qu'un streamer, Henri. Hein. Allez, c'est mauvaise réponse alors. Ah bah, c'est mauvaise réponse. Non, mais attends, c'est mauvaise réponse, celui de Twitch. Mais tous les créateurs ont Twitch, même Cyril a Twitch. C'est pas un streamer, ouais, c'est un streamer. Tu vois, c'est un streamer. Si, si. Maintenant, c'est plus un streamer qu'un youtubeur. Bah, en régie, on dit que c'est plus. Attends, ils connaissent les régisseurs derrière, c'est vraiment des vrais streamers. Ok, pardon, mais c'est my bad, Henri, si tu me regardes. Oula, bah dis donc, ouais. J'ai mis un conflit avec ta communauté. Et ça, c'est. Je me prépare de petit reportage. Petit reportage sur ton combat MMA amateur, Henri. Si tu m'entends, Henri, c'est des milliards de personnes derrière lui. Ouais, ouais, c'est une communauté extrêmement oppressante. Oh, j'en ai pas plus. Allez, beaucoup d'élan sur celle-là. D'ailleurs, t'as jamais fait le reportage par là-bas? Sujet sensible. C'est par rapport à quoi, la taille de la table? Allons-y. Oh là là, mon Dieu. Pardon, Charles, vraiment, je suis très gêné. Allons-y. Y'en va yeah. Allez, plus fort. Oui. Et non. Ouais. C'est monstrueux. Hein. T'y es pas totalement. Les règles du jeu veulent que tu... Charles. Ouais, moi, j'arrête pas de le tordre. Non, mais t'es en train de le tordre. Les règles du jeu... Ouais, c'est pas si dégueu. Je vais pas réussir à le redresser, ton truc, hein. J'ai dit dinguerie. Hein. Non, ça va. Les règles du jeu veulent que tu sois. Franck, oui. C'est pas fini pour toi. Bon, j'écoute quoi la voix. T'as quand même cite-moi kilo, mon un personnage corps, de Game of Thrones. Comme ça, là. Cite-moi un personnage de Game of Thrones. Le nain, Peter Dinklage. Mais c'est pas son nom. Le nain à la vache. T'as vu la violence sociale du truc. Le nain. Le nain. Ouais, et t'as qu'à dire le noir. Donc le mec est dingue. Je veux le nom du personnage. J'ai son nom et son prénom, c'est bien déjà, et sa taille. You know nothing. You know nothing. Comment un autre peut-être? Un autre, j'ai un pas autre vu nain. T'as pas un autre nain? Dracarys. Tu peux dire d'autres nains? Comme tu veux. Putain, attends. Si, putain, j'ai Sarkozy. Bon, on te l'accorde. Bonne réponse. Elle est bonne quand même, puis j'ai le nom et le prénom. On te l'accorde. Vas-y, ciel. Non, vas-y, je t'en prie. Plose-toi et vas-y sans forcer. Non, pose-toi, une main. Monte, voilà, encore. Déjà, tu tiens trop proche du manche, tu perds de la force. Oui, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, vas-y. Allez, Charlie. Charlie, c'est un peu. Cite-moi un musée à Paris. Genre, ça fait pas de bruit, genre. Tout doucement. De ouais, quoi, Charlie? Attends, fais moins de bruit là-bas. Question simple, cite-moi un musée à Paris. Ah ouais, c'est bien les questions, hein. Pas droit au Louvre. Pas droit au Louvre. Ouais, j'essaie de trouver autre chose. Bon, le Quai Branly, mais bon. Pas ouf. Bonne réponse. Merde. Non, Charles. T'as perdu Charles. Je le couche. Il peut l'enfoncer comme ça, mais il faut qu'il enfonce. Il faut le remettre droit.
Tu peux pas. Non mais attends, ça fait un peu film porno, je vais te le remettre dans le cul. Ouais, ah, t'écoutes des films porno avec ce genre de son en arrière. Non, je regarde pas de porno, moi. Tu regardes pas de porno, ok. Non, ça arrive pas. Jamais vu de porno. T'as jamais vu ça de ta vie? Non. T'as perdu, hein, Charles. Ça me rappelle quelque chose. Ça te rappelle quelque chose? C'est quoi? Ma trajectoire de vie. Franck, pas loin. Cite-moi un pays d'Amérique centrale. Oh là. Eh les gars, je t'avais dit des questions. C'est un plus ça dérape. Non, mais je vais dire ce que j'aime pas dans ce jeu. D'une manière générale, c'est que tu peux passer pour un con. Et là, ça va être le cas. Franck, je t'en supplie. Franchement, j'ai fait des choses là-bas. De le cartel. Cartel. Medellin. Non, mais les gars, putain. Le Mexique. Voilà, bravo. Ouais. Bonne réponse. Mais bon, voilà. Tu te dis. Et maintenant que je fais la différence. Mais bon. Ouais, bah après, tu. Non, Franck, s'il te plaît, Franck. Ouais. Non, mais de toute façon, t'as perdu. j'ai perdu, mais parce que même. Tu vois, je pense pas que je puisse le rentrer. Non, on a pas le rentrer. Charles, tu t'avoues vaincu. Allez, je m'avoue vaincu. Allez, Charles.